Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de passer une journée complète à tester les Fenix 7 et les EPX, tous les modèles. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés en termes d'interface. Interface utilisateur, les boutons, l'écran tactile et puis aussi interface graphique, toutes les petites améliorations qu'a apporté Garmin dans ses menus. Je vais publier en même temps, une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai plus dans le détail. Je vais publier une autre vidéo dans laquelle je vous présente plus en détail les gammes et les nouvelles fonctionnalités. Donc, vous pouvez regarder les deux, mettre un j'aime à celle-ci, aller voir l'autre ou commencer par l'autre, revenir sur celle-là après, comme vous voulez. Là, par défaut, le tactile est désactivé. Raccourci simple, on appuie sur ces deux boutons-là en même temps. Tactile activé. Hyper simple. Ensuite, on fait défiler et là vous allez voir côte à côte l'écran Fenix 7 EPX. On va aller jusqu'à la carto. Alors, l'apparition de l'écran tactile sur les Fenix, c'est un grand sujet de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Tel que Garmin l'a implémenté, tous les boutons fonctionnent encore. Donc, vous allez pouvoir bouger dans les widgets, ouvrir les menus comme vous connaissiez avant par les boutons. Mais simplement maintenant, on peut le faire aussi avec le tactile. Bouton, tactile. Bon, vous voyez que, mine de rien, le tactile, il est super réactif et ça défile vite par rapport au défilement par bouton. Il n'y a pas de différence. Je sais que ça divise les gens en deux groupes, hein, ceux qui disent le tactile, ça ne sert à rien sur une montre de sport, ceux qui disent sur une smartwatch, c'est quand même mieux le tactile. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est plus confortable. Alors, regardez, là, l'écran, il est quand même parfaitement réactif. On a la possibilité donc de défiler là tout ce qu'on veut. Le slide comme ça qui revient en arrière. On ne peut pas lancer un enregistrement complètement avec le tactile. Il faut quand même appuyer sur Start. Mais ensuite, eh bien, on fait défiler les écrans. Alors, c'est là, sur ce point-là, que ça restera toujours plus pratique en courant, quand on a les doigts avec de la sueur, de faire défiler les écrans avec les boutons. Ça joue la corde. Maintenant, pour zoomer, dézoomer, alors on peut toujours le faire avec les boutons. Maintenant, on peut bouger la carte hyper facilement. Pour zoomer, il suffit d'un double tap et on zoome n'importe où si on veut se rapprocher de cette zone-là. On fait un double tap là, on va aller à ce carrefour, hop, hop, et voilà, on y est. Donc ça, c'est quand même super agréable. Ensuite, ce qu'il faut tester avec un tactile, c'est est-ce que ça fonctionne avec des gants. Donc là, j'ai des petits gants, c'est juste des petits gants tout simples, hein, achetés chez Decathlon et absolument rien de spécial tactile. Et vous voyez que ça marche quand même. Les défilements d'écran fonctionnent. Le double tap fonctionne aussi. Là, j'ai vraiment aucun problème à utiliser le tactile. On poursuit avec un doigt un petit peu mouillé. Bah, écoutez, ça me semble pas mal, hein. On va mettre un peu plus de gouttes d'eau. Doigt mouillé, plus quelques gouttes d'eau. Et bah, c'est top. Là, pour moi, j'ai aucun problème à l'utilisation de ce tactile. C'est un écran tactile qui a été développé pour le sport. La situation la plus dure, c'est la situation d'être sous la douche, c'est-à-dire quand on a des gouttes d'eau qui glissent sur l'écran. Et là, on voit que même les gouttes d'eau qui glissent, ça perturbe quasiment pas. Ça perturbe un petit peu, mais vous voyez que ça reste utilisable. Moi, je crois que c'est pas mal. Le bouton Start n'est pas une molette. Visuellement, oui, il est strié. On peut le tourner, j'ai essayé de bidouiller, mais c'est absolument pas une molette qui permet de faire défiler des écrans ou autre chose comme ça. C'est juste un bouton Start comme on connaissait déjà.
En termes d'interface, il n'y a pas grand-chose de révolutionné, mais il y a quand même pas mal d'évolutions. Déjà, en termes de watch face, on a des nouvelles watch face. Donc, je vais toutes vous les présenter. Voilà, celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Celle-ci, nouvelle. Celle-là, elle ressemble peut-être un peu à une Phoenix 6, encore que les designs des aiguilles est probablement nouveau. Celle-ci, voilà. Celle-là, on connaissait. Celle-là, on connaissait. J'aimais bien ça sur les Phoenix 6. Et on a celle-là qui est également nouvelle. Celle-là, au passage, vous voyez, hein, c'est la watch face qui intègre le statut d'entraînement. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau des widgets. Simplement, Garmin a ajouté maintenant ici le petit i, petite information. Donc, à chaque écran, vous allez avoir une description de l'interprétation des données. Je trouve ça pas mal, notamment pour tous les gens qui ne sont pas familiers avec le VO2 max, avec la charge d'entraînement, avec la répartition par filière anaérobie ou quoi. Et bien maintenant, on va pouvoir cliquer sur ce petit i. Donc on ne vous balance plus juste des nombres à la gueule. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, bien, ils ont la petite explication. Pour les autres, ceux qui ont un coach, ceux qui savent se coacher seuls, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème, ça ne change rien maintenant. On continue de regarder la vue qu'on connaissait avant sur les temps de récupération, etc., sans aller cliquer sur le petit i. Et puis, dans les menus, eh bien là, les icônes, vous allez voir, sont un peu plus gros, plus jolis. Donc là, voilà, on a des grosses icônes ici qui vont permettre, lorsqu'on connaît un petit peu ce qu'on cherche, de passer assez rapidement si jamais on cherche quelque chose d'en bas sans même à lire ce qu'il y a dans l'appellation des menus. Voilà, avec des grosses icônes comme ça, on s'y retrouvera facilement. Alors j'aime bien le travail qu'a fait Garmin aussi pour présenter les statistiques en fin de course. Avant, on avait des écrans qui donnaient juste ce qu'il fallait. Là, maintenant, on a les écrans et puis on a un petit indicateur ici de ce qu'on va trouver au prochain écran. Donc là, la fréquence cardiaque, training effect, statut d'entraînement. C'est tout simple, mais je trouve qu'en termes d'usage, c'est pas mal. Au fil des différentes mises à jour, Garmin ajoute souvent un profil sportif, deux profils sportifs, trois profils sportifs. Et finalement, je ne mets pas forcément à jour tout le temps mes tests. Donc là, je vais vous montrer la liste de tous les profils sportifs. Lié donc à la course à pied, trail, ultra, course, tapis virtuel, sur piste, en intérieur, rando, alpinisme, vélo, home trainer, VTT, vélo électrique, VTT électrique, cyclo-cross, gravel, aller-retour quotidien, pour aller au vélo taf, cyclotourisme, vélo de route, natation, piscine au libre, le multisport, triathlon, swimrun, adventure race. Tout ce qui est mud race, etc. Musculation, escalade en salle, en bloc, ski snow, ski de fond, raquette, stand-up paddle, surf kiteboard, planche à voile, aviron, rameur, kayak, golf, tennis, marche cardio, high intensity training, yoga. Bon, ce n'est pas vraiment un profil sportif. Exercice de respiration, pour moi, ça devrait être dans le widget avec le stress ou quelque chose comme ça, mais bon, admettons. Et puis là, on a les trucs vraiment particuliers. La navigation, mais sans enregistrer une activité. Le mode expédition, vous allez faire du chien de traîneau dans le Canada. La carte, le gestionnaire des cartes. Est-ce qu'il y en a encore? Et il y en a encore. Multisport libre. Alors là, travail du tempo en golf. Pickleball, je ne sais pas ce que c'est. Paddle, ça je connais. Attention, ce n'est pas le paddle avec 2D, c'est le paddle avec des raquettes. Projeter un waypoint, ça c'est de la navigation. Pilates, montée d'étage, vélo elliptique, stepper, jump master, tactique, bateau. Mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. L'aperçu santé, là aussi, ce n'est pas vraiment un profil sportif, ça devrait être avec l'exercice de respiration. Et autres, simplement pour faire du cardio en salle. Il y a une petite nouveauté aussi dans la gestion des cartes.
Donc, on a toujours le gestionnaire des cartes et puis les thèmes. Donc, les thèmes, vous savez, c'est des calques qui vont pouvoir venir se rajouter sur le fond de carte, ou alors c'est de la mise en forme, notamment sur les couleurs, en fonction de l'utilisation que vous voulez en avoir. Mais maintenant, dans le gestionnaire des cartes, alors ce qui est génial, c'est que Garmin peut toujours accepter plusieurs cartes, y compris d'autres cartes gratuites. Là-dessus, j'ai un article hein, sur le blog qui vous explique comment faire et puis qui compare différentes cartographies gratuites payantes pour vous donner laquelle est la meilleure. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais maintenant, sur les cartes topo actives, eh bien, on va pouvoir, avec le plus ici, venir télécharger des cartes par Wi-Fi. Alors là, je ne suis pas connecté en Wi-Fi, mais c'est typiquement quelque chose qui maintenant fait qu'on peut se passer de Garmin Express. Il n'y a plus besoin de brancher sa montre. La montre va aller chercher directement par Wi-Fi, télécharger les mises à jour s'il y a besoin de mettre à jour une carte ou si vous voulez télécharger une carte supplémentaire pour vos. Alors, je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire à l'EPIX pour montrer la qualité de l'écran, c'est vous montrer différentes watch faces. Donc, celles-ci, elles sont uniques aux EPIX. On ne les trouve pas sur des Fenix 7. Alors, celles-ci, en termes de résolution, elles pourraient tout à fait être mises sur une Fenix 7, mais certaines. Comme la première, elles sont vraiment spécifiques aux EPIX. Voilà, celle-là, c'est quand même ma préférée. Et puis, maintenant, je pense que les développeurs sur ConnectIQ vont forcément prendre en main ce nouvel écran et proposer d'autres watch faces avec des super résolutions. Bon, voilà, petite démo en extérieur, la luminosité de l'écran. Ok, on n'est pas l'été, je suis pas en plein soleil, mais l'écran est quand même très lumineux. Alors, bien sûr, plus il sera lumineux et plus l'autonomie va baisser. Là, vous voyez qu'il est passé en économie d'énergie et si je bouge, il repasse en full luminosité. Sur la carte, vous voyez là aussi, bien lumineux, il n'y a aucun problème. Et si je zoome, aucun problème de luminosité en extérieur. Bon, j'ai fait le malin avec toutes ces Fenix 7, mais il y a encore une chose que j'ai pas pu vous montrer, malgré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, 9, ça c'est ma Fenix 6X Pro Solar, donc 2 EPIX et 7 Fenix 7. C'est la configuration, la personnalisation de tous les paramètres des Fenix 7 directement depuis l'appli Garmin Connect. Ça, c'est quelque chose qui était très demandé, qui est génial et qui arrive enfin sur les Fenix 7. Alors, j'ai pas pu vous le montrer tout simplement parce que j'ai pas pu avoir accès à l'application Garmin Connect en version bêta pour pouvoir connecter les Fenix 7. Et Garmin ne m'a pas non plus autorisé à repartir avec quelques-unes de ces Fenix 7 dans mon sac. Donc je vais simplement vous le décrire. Si vous allez voir sur l'article de présentation sur le blog, j'ai mis des captures d'écran. Et en fait, on peut tout personnaliser, tout paramétrer. Donc en fait, ce n'est pas juste les configurations des profils sportifs, c'est vraiment tous les réglages qu'on trouve sur la montre sont répliqués dans Garmin Connect. Ça permet deux choses. La première, c'est un peu plus d'ergonomie, c'est plus facile de faire les paramétrages. Grâce à un grand écran tactile de smartphone plutôt que l'interface d'un petit écran d'une Fenix. Et le deuxième intérêt, c'est que en cas de bug, de crash ou quoi que ce soit de votre Fenix 7, vous allez maintenant enfin pouvoir faire un reset sans perdre tous vos réglages. Troisième avantage, j'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en a un troisième, ça sera pour dans quelques années, quand vous aurez envie d'acheter une Fenix 8, eh bien vous allez pouvoir. Par une simple synchronisation, le jour où vous aurez acheté votre Fenix 8, vous allez pouvoir retransférer tous vos paramètres de votre Fenix 7 dans votre Fenix 8.